qui se rapproche à l'extérieur, alors que l'on retrouve également Diablotin de Bré qui est en troisième position avec en léger retrait également Tenaz Diamonds Forever qui galope au quatrième rang. Pour l'instant, Rosedale Black Lily avec Léane David se retrouve à l'arrière-garde avec Salt Midnight Fair, avec Margot Moisson qui a l'avantage au milieu du tournant, avec en deuxième position à l'extérieur la présence de Hitterkund Schmidt-Schipmuck qui est accompagné encore notamment par le numéro 17, Diablotin de Bré également, qui est là au contact avec en léger retrait qui essaie de se rapprocher, Fit Majority avec Matteo Deleuze-Dobo. La dernière ligne droite avec Salt Midnight Affair qui a toujours le meilleur et qui est débordé maintenant sur l'extérieur par Diablotin de Bré qui vient de prendre l'avantage et se rapproche maintenant également à l'extérieur. Tenaz Diamond Forever, qui prend maintenant à l'avantage le numéro 14 avec le Louis de Roux qui va s'imposer très nettement. La deuxième place qui va revenir en retrait, le numéro 17, Diablotin de Bré. La troisième place sans doute en dedans pour le numéro 13, Fulton Majority, et la quatrième place pour Hitterkund Schipmuck avec Ryan Davis.